Once upon a time, il était une fois un vieil homme, tout seul dans son bateau, qui pêchait au milieu du Gulf Stream. En 84 jours, il n'avait pas pris un poisson. Les 40 premiers jours, un jeune garçon l'accompagna. Mais au bout de ce temps, ses parents déclarèrent que le vieux était décidément et sans remède salao, ce qui veut dire aussi guignard qu'on peut l'être. On embarqua donc le gamin sur un autre bateau, lequel, en une semaine, ramena 3 poissons superbes. Le vieux lui avait appris à pêcher, et il aimait le vieux. Chaque soir, le gamin avait la tristesse de le voir rentrer avec sa barque vide. La voile de son bateau était rapiécée avec de vieux sacs de farine. Ainsi repliée, elle figurait le drapeau en berne de la défaite. Le vieil homme était maigre et sec, avec des rides comme des coups de couteau sur la nuque. Ses mains portaient les entailles profondes que font les filins au bout desquels se débattent les lourds poissons. Mais aucune de ces entailles n'était récente. Elles étaient vieilles, comme les érosions d'un désert sans poissons. Tout en lui était vieux, sauf son regard, qui était gai et brave, et qui avait la couleur de la mer. Le vieux était épuisé. Il voyait à peine clair. Pourtant, il démêla la corde du harpon et la fit glisser lentement dans ses mains écorchées. Quand la vue lui revint, le poisson était sur le dos. Il aperçut son ventre argenté. La mer commençait à se teinter d'un sang rouge qui coulait du cœur. Mon bonhomme, t'as ton compte ? Mais j'ai tué ce poisson qui était mon frère, et maintenant, faut que je fasse toutes les corvées. Je devrais bientôt voir les lumières de la Havane. J'espère qu'on s'est pas fait trop d'huile pour moi là-bas. C'est pour le gamin que ça m'embête. Mais je suis sûr qu'il aura gardé bon espoir. C'était devenu difficile de faire la conversation au poisson. Celui-ci était tellement abîmé. Soudain, le vieux eut une idée. Moitié de poisson. Poisson que tu étais, écoute. Je regrette bien d'être allé si loin. Ça nous a perdus tous les deux. Mais on a tué des tas de requins, toi et moi. Et je me battrai contre eux jusqu'à la mort. Ce jour-là, il était venu tout un groupe de touristes. Ils étaient assis à la terrasse et contemplaient la plage encombrée de boîtes de conserve et de barracudas crevés. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda une des dames au garçon, en désignant la longue épine dorsale du grand poisson qui n'était plus maintenant qu'une carcasse, prête à se laisser emporter par la marée. « Tiburon !» dit le garçon. « Requin !» Il croyait expliquer ainsi ce qui s'était passé. « Je ne savais pas que les requins avaient de si belles queues, d'une si jolie forme !» s'exclama la dame. « Moi non plus !» dit l'homme qui l'accompagnait. Dans la cabane, là-bas, tout en haut, le vieux s'était endormi. Il gisait toujours sur le ventre. Le gamin, assis à côté de lui, le regardait dormir. Le vieux
rêvait de lions.